aux années précédentes, les différents corps qui ont défilé sous vos yeux aujourd'hui ont tous été les moyens techniques et humains de ces différents corps ont été tous renforcés pour notamment la sécurité territoriale, mais l'intégration et la surveillance de nos frontières. Ils continuent et cette fois-ci, nous avons... Là maintenant, nous avons le défilé motorisé des forces de défense. C'est la direction centrale du matériel et le quartier général qui vont ouvrir le défilé motorisé. La DCMAT et le quartier général sont toujours en tête parce que c'est les éléments qui assurent le soutien du haut commandement. Donc c'est eux qui ouvrent. Là, nous avons les véhicules de transmission, nous avons les véhicules auparavant qui ont passé de... Blindés, mais de transmission. Et là, avec le symbole que vous voyez, c'est le véhicule de la DCMAT, la Direction Centrale du Matériel. Avec leurs véhicules qui entretiennent, qui prennent en charge les matériels. Tout à fait, c'est eux qui réceptionnent également. Eux qui soutiennent l'ensemble du parc. Des forces armées du forces armées djiboutiennes. La réparation, le maintien en condition et tout ce qui a trait à l'opérationnalité des moyens à la disposition des forces armées djiboutiennes. Véhicule de type Hammer, type véhicule de gamme américaine. Toujours de transmission. Là, c'est le véhicule de DCMAT, de la Direction Centrale de Matériel, avec leur logo caractéristique, une clé et puis un marteau. Voilà, c'est pour dire, c'est les éléments de la maintenance. Nous avons le véhicule l'O7, c'est le véhicule qui sert à tracter, à transporter. Pas transporter, à tracter. Si par exemple un char ou un véhicule lourd tombe en panne quelque part ou dans un ravin, c'est ce genre de véhicule qui sert à le tracter. On aura les nouveautés. Vous m'avez demandé tout à l'heure de nouveautés de cette année. C'est le régiment artillerie. Et cette année, comme jamais auparavant, nous avons les éléments de l'artillerie qui vont défiler avec des chars à chenilles très caractéristiques. Donc là, c'est le véhicule du commandement du régiment artillerie qui passe. Et là, maintenant, nous voyons à la télé, c'est les chars de l'artillerie à chenilles, de type de tank, de gros calibre en fait. On appelle ça des tanks de 155 mm. C'est le calibre de leur canon. C'est parmi le plus gros calibre qui existe. Parmi, c'est pas le plus gros, mais parmi les plus gros calibres qui existent. C'est du 155 mm. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. C'est la nouvelle acquisition de l'armée djiboutienne pour la défense du territoire. Donc tous ces éléments ont été formés pour le maintien et la conduite de ces engins. Souvent, lors de l'acquisition de matériel, ne se fait pas au hasard d'abord. C'est planifié, ça va avec, on prévoit en avance les gens qui vont servir dans le nouveau gamme de matériel qui va être acquis à telle année. Donc on les envoie en avance dans les usines ou les entreprises qui fabriquent ce genre d'engins. Et les conducteurs, les mécaniciens, le tireur eux-mêmes, ceux qui tirent, tout ça vont être formés parfois à l'étranger, dans les entreprises. Et la majeure partie plutôt de formation se passe en local, à Djibouti. Un ou deux experts viennent et forment les éléments. Forment les équipages, ce qu'on appelle les équipages. Donc nous sommes toujours avec les engins lourds motorisés de défense du territoire.
Oui, ça, c'est toujours le régiment artillerie. Artillerie, c'est toujours les canons, petits et grands calibres. Donc là, c'est ce qu'on appelle le sol-sol, qui sont montés sur des véhicules en croisière. À longue distance, quoi. À longue distance. Ceux-là sont de plus courte distance, mais là, nous voyons les sol-sols de longue portée et multi-tubes. Donc on a à peu près 22 tubes par véhicule. Et ce sont des canons à très longue portée et qui ont une force de destruction phénoménale. Donc là, je comprends vraiment le sens du mot que vous avez utilisé tout à l'heure, dissuasif. Oui. Quand je vois tous ces moyens. Oui, un ennemi avisé et qui s'y connaît dans les armes, rien qu'en voyant ça, il imagine la force de frappe des forces armées djiboutiennes et ça lui donne une idée. Donc, une idée, voilà. Il a déjà une idée et il n'aura pas facilement, l'intention de s'aventurer facilement, à moins qu'il n'ait préparé une force aussi plus phénoménale que ce qu'il est en train de voir. Les véhicules qui sont en train de tracter des canons. Donc ça, c'est les canons, ce qu'on appelle les canons des 30, des canons de longue portée de 30 mm. Donc c'est de grands gabarits. C'est mobile aussi, oui, c'est plus rapide. Ils sont tractés par véhicule. Les troupes montent dans le véhicule, ils tractent le canon. Une fois que les troupes sont installées, on met en batterie, ce qu'on dit, le canon, et puis on peut bombarder l'ennemi qui est en face à longue portée et en se tenant à distance de lui. Donc là maintenant nous voyons le camp Cheikh Ousmane qui va ouvrir le CCO qui va défiler devant nous. Le défilé est ouvert par le véhicule du chef de corps, le lieutenant-colonel Ahmed Sirid Guedi. Et là nous avons maintenant le gros de force de l'armée de terre, c'est les blindés du camp Cheikh Ousmane. Nous avons les petits véhicules, les véhicules légers, montés des armes, qui sont suivis maintenant ce qu'on appelle de VBL, c'est-à-dire des véhicules blindés légers. C'est ça, VBL, véhicules blindés légers. Ça, c'est des nouvelles acquisitions aussi. C'est les nouveautés de cette année, ce genre de VBL, très mobile, très léger, mais très, très, avec une puissance de feu caractéristique. Et nous avons aussi les véhicules Hammer, que vous voyez ici, de type gamme américain, qui sont montés de armes. Voilà, qui sont suivis par le véhicule, les engins blindés. Ça, les AML, caractéristiques de l'armée djiboutienne depuis un bon moment, qui ont été acquis depuis une décennie, ou même plus. C'est des canons de 90 mm. Vous avez vu, le nouveau char était de 155. Là, c'est 90 mm. Toujours aussi conséquent. Ils ont une force de frappe très, très caractéristique. C'est des engins qui sont utilisés pour intervenir et détruire l'ennemi. Où qu'il soit. À distance. Donc ils ont une force de frappe très grande. Là nous avons en couleur sable, ça aussi c'est le nouvel matériel d'acquisition de cette année. C'est des véhicules qu'on appelle MERAP, de fabrication américaine. Ce sont des véhicules blindés, et qui sont protégés même en cas d'explosion de mine. Donc si une mine explose, les personnels qui sont à l'intérieur sont protégés. Comme vous voyez, ils ont des protections. Ils sont sur... Même les mines anti-char n'ont pas d'effet sur ces véhicules. Oui, les mines. Oui, je parle des mines anti-char. Normalement, une mine anti-personnel n'a aucun effet sur un véhicule. Les mines anti-char, ils sont protégés contre les mines anti-char. Le pneu va exploser, mais le véhicule ne sera pas endommagé. D'où les personnels qui sont à l'intérieur ne pourront pas être atteints. Donc le pneu sera très vite dépanné et le véhicule peut reprendre sa marche. Donc et ces canons, ils sont combien de millimètres? Là aussi, c'est des canons de 90 mm. Voilà, 90 mm, ça c'est ce qu'on appelle des ratels.
C'est des véhicules de fabrication sud-africaine avec une force de frappe vraiment très très phénoménale. Et ils sont déployés actuellement en Somalie, à Bledouine. Les ratels sont déployés. Et ils servent à détruire l'ennemi aussi bien mobile que fixe, dans des fortifications ou dans des tranchées. Ils servent à le neutraliser et le détruire. Ces engins, c'est ce qu'on appelle les BTR, de fabrication russe. C'est des véhicules légers de reconnaissance, mais aussi d'intervention, de soutien de troupes. C'est-à-dire lorsque l'infanterie est déployée, ces genres de véhicules sont très pratiques pour les soutenir en feu. C'est-à-dire qu'ils sont montés des canons et ils sont très mobiles et ils peuvent le soutenir. Là, nous avons aussi, comme vous le voyez, les véhicules qui sont montés des canons. Ils ont deux canons. Voilà, c'est les canons anti-aériens. C'est les unités de défense anti-aérienne. Lorsque des troupes sont déployées sur le sol, ils peuvent être attaqués par des avions, des hélicoptères ou même des avions. Donc ces unités servent à les protéger contre toute menace aérienne. Ce sont des unités de défense anti-aérienne, ce qu'on appelle les DCA. Ça, ce sont les gros camions de transport des éléments. Voilà, donc c'est nécessaire, c'est les éléments, les camions qui soutiennent les troupes que nous avons vues. Les gens qui sont dans les blindés, ils ont besoin de ravitaillement, de carburant, de véhicules de transport pour leur matériel. Donc ça, c'est les camions de troupes qui sont nécessaires à leur soutien, comme le véhicule de dépannage que nous voyons ici, qui sert à les tracter. Et là, ça, c'est, enfin, on dirait plutôt des véhicules civils. Pas civil. Pour l'aide de la population. Non, ce n'est pas des véhicules civils, c'est ce qu'on appelle c'est la section de déminage. Déminage. Voilà, ils sont habillés avec leur avec les détecteurs. Voilà, leur gilet. Ils sont en train de présenter les détecteurs de mines. C'est les éléments de déminage qui servent à déminer les zones de troupes anti-mines, de troupes anti-personnel, de mines anti-personnel, je veux dire, et aussi anti-chars. Ces véhicules que vous voyez là, qui ressemblent, comment dirais-je, à des gros facochères, hein, ce sont ce qu'on appelle, ce sont des véhicules qui sont protégés aussi contre les mines. Transport de personnel également. Transport de personnel, ils ne sont pas équipés en armes, mais ils servent à transporter les troupes dans des zones sensibles où on craint qu'il y a des mines anti-personnel. Des attaques. Des attaques aux armes lourdes. Et ces véhicules-là sont blindés d'en bas et de côté. Donc si on les attaque au bazooka ou s'il y a des mines, ils peuvent facilement les traverser sans que les troupes ne soient endommagées. Et le véhicule est bien protégé aussi. Donc là, nous avons en fin du camp chez Rossmann, c'est les engins des travaux. Donc les militaires, ils sont autosuffisants. Lorsqu'ils vont se déployer quelque part, il n'y a pas souvent de route. Et ces équipements servent à ouvrir des routes, à tracer là où les chars et les blindés que nous voyons pourront passer. Et évidemment, ça sert aussi de soutien à la population dans la région pour soutenir, maintenir. Et pour les catastrophes naturelles, s'il y a inondation, crue, voilà, tremblement de terre, tous ces véhicules peuvent servir. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'action civilo-militaire. L'action civilo-militaire, c'est le soutien de la population. Et c'est une action de tous les jours. Dans la région des districts de l'intérieur, l'armée soutient la population à réfectionner les routes, à soutenir la population en eau, à les aider à évacuer les blessés avec leurs ambulances, etc. Et là, enfin, pour clore le défilé d'aujourd'hui... Ce qui est une suite logique à ce que vous venez de dire. Exactement. C'est la protection civile qui porte très bien son nom. C'est les véhicules, comme la population les connaît, les pompiers, avec leur couleur rouge caractéristique, avec leurs ambulances, leurs citernes, pour soutenir la population et les aider à lutter contre les catastrophes, dont principalement le feu, et surtout en cette période d'été, hein, où il y a beaucoup de feu. Et c'est la protection civile, comme d'habitude, hein, chaque année, va clore les défilés aériens, à pied et motorisés. Donc voilà, vous avez suivi en direct sur les ondes de la radio et de la télévision nationale le défilé militaire, défilé militaire qui est une tradition bien sûr en ce 27 juin
27 juin, aujourd'hui, la République de Djibouti a célébré son 37e anniversaire. Le défilé s'est déroulé en présence du chef de l'État et chef du gouvernement, chef également suprême des armées, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la première dame et présidente de l'UNFD, Khadija Mahmoud Haïd, les membres du gouvernement, le premier ministre, le haut commandement de l'état-major des forces armées djiboutiennes est également représenté pour célébrer son 37e anniversaire. C'est ainsi également que nous allons quitter en vous souhaitant une très bonne fête à toutes et à tous. Nous remercions bien sûr tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ces défilés et bien entendu la radio-télévision de Djibouti qui vous a permis de suivre en direct cet événement national. Également mon invité du jour, invité grâce auquel nous avons pu comprendre ce qui s'est passé exactement et les différentes explications. Il s'agit bien sûr du capitaine Rachid de l'armée nationale que je remercie tout particulièrement. Merci mon capitaine. Merci Ahmed, je profite de cette occasion pour remercier la radio-télévision de Djibouti qui a diffusé en direct, comme à chaque année, hein, et qui s'est acquitté de cette tâche avec brio. Je profite aussi de cette occasion pour saluer les forces armées djiboutiennes où qu'ils se trouvent, et particulièrement Somalie, pour le travail vraiment formidable qu'ils effectuent. Et comme vous le savez, hier, les éléments Al-Shabaab ont attaqué nos hommes. À Boulebourdé, il y a eu 2 décès au nom du ministère de la Défense et du Haut Commandement Militaire. Je transmets nos condoléances les plus attristées aux familles des martyrs. Et nous disons à nos hommes, à nos valeureux soldats qui sont déployés à Beledweyne et Boulebourdé, dans la zone de Hiran en général, mais surtout aussi à tous nos militaires, où qu'ils se trouvent, à Darfour, en République centrafricaine et dans les autres pays, même en Côte d'Ivoire, de tenir le coup. Nous leur disons que vous constituez la fierté de la République de Djibouti. Vous défendez les couleurs nationales avec tous les honneurs. Et Inch'Allah, vous serez récompensé de la manière la plus belle. Votre sacrifice n'est pas vain. Et encore une fois, merci à vous pour la transmission en direct et ces beaux commentaires pour la population djiboutienne. Merci. Merci à vous encore une fois, mon capitaine. Je remercie également la boss production, bien sûr, en particulier Abdelrahman Mohamed Yahya, qui coordonnait bien sûr toute la réalisation, les équipes sur le terrain, les caméramans, les techniciens, les machinistes, les journalistes, les animateurs, toute l'équipe de la radio-télévision de Djibouti et sans oublier bien sûr le directeur général qui se trouvait avec nous dans le tribune officielle, Abdelkader Ahmed Idriss, le directeur général de la RTD que nous remercions très particulièrement. Bonne fête encore une fois à toutes et à tous et très bonne journée.